Bonjour les amis, c'est Warty Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo avec un format un petit peu plus différent on va dire, où je vais pas forcément me prendre la tête au niveau du montage je veux dire. Depuis que je fais de la roue, si tu me connais un petit peu, j'ai beaucoup voyagé tout ça et en ce moment je kiffe sortir un petit peu des sentiers battus, faire beaucoup d'off-road et notamment aussi des sauts. Voilà, je prends de plus en plus de plaisir à faire ça. Ça me procure énormément d'adrénaline, mais voilà, je suis encore novice. Et du coup, voilà, je voulais faire une petite vidéo sous forme de un peu de vlog, hein, tu vas voir, on va pas se prendre la tête. Où je vais essayer de te faire voir comment j'appréhende les bosses. Voilà, parce que je débute, hein, je suis pas surhumain et en toute humilité. Si ça peut t'aider à toi à mieux appréhender le off-road et surtout là pour aujourd'hui les boss, tant mieux. Donc je te fais voir un petit peu le terrain. Pour ceux qui me suivent déjà, c'est un terrain où je suis déjà venu une fois. Voilà, tu as ce genre de boss. Donc là il y en a un petit peu partout. On se trouve à l'île Charlemagne. Donc là ce que je vais faire, je vais appréhender cette première bosse là, ici. Passer ici comme ça, sauter et atterrir. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il y aura peut-être des ratés, il y aura peut-être des chutes aussi. Donc on va voir. Et puis ensuite je pense après on ira faire une bosse qui est un petit peu plus loin. Mais bon, je te pose, je te cale la caméra comme ça, je mets une petite musique de fond, je pense peut-être, et puis je te dis mes impressions. Let's go. Oh là là, eh ben content, j'ai pas perdu la main. Content, ça s'est plutôt bien passé. J'ai essayé de te faire 2-3 ralentis, vraiment. J'ai mon frère qui doit venir filmer parce que tout ça c'est pas forcément facile. Et du coup là, on va se diriger vers la prochaine bosse. Je vais essayer de te faire voir un petit peu comment elle est. Je vais pas te mentir, je l'appréhende beaucoup. Beaucoup, parce que là, ça j'ai jamais fait. Aussi gros que ça. Alors, en vidéo, ça paraît vraiment petit. Hein. Mais là, tu as une prise d'élan qui est là-bas. Je vais passer comme ça, faire ici, là, passer ici, et voilà la bosse. Je pense qu'il va falloir monter le plus haut possible, et redescendre comme ça. Et on va essayer de pas tomber surtout. Attention, par contre, vous faites comme vous voulez, mais mettez un minimum de protection, sachant que là, je sais que je vais avoir des chutes, parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Donc, minimum casque, au mieux, genouillère, coudière, au niveau des mains aussi. Encore mieux, une dorsale si t'as, donc n'hésite pas à mettre le plus de sécurité possible, parce que le but, c'est pas de se blesser. Donc voilà, allez, j'essaye de faire cette bosse, c'est parti. C'est passé, putain. Bon, eh ben, on va essayer une nouvelle bosse. Celle-ci, la différence, c'est que l'autre, elle monte assez haut, mais elle est assez courte, on va dire. Que celle-là, elle monte pas mal et bon, on va voir. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre de l'élan. Et moi, ce que je te conseille, enfin du moins, moi, c'est ce que je fais. C'est que je cherche pas à passer la bosse d'un coup, parce que tu sais pas à quelle vitesse faut arriver, donc j'y vais à tâtons. Donc je saute et je vais essayer d'atterrir sur le matelas. Et en fonction de ma vitesse, je vais voir où j'atterris. Et c'est comme ça que je jauge un peu les sauts. Et l'adrénaline monte parce que je l'ai jamais fait. Allez, c'est parti. Tu vas te ramasser, tu es inconscient, je vais te filmer, mon gars. Tu vois, faut vraiment aller plus. De vitesse. Là, je me retiens, tu vois. Ouais. Mais là, c'est le coup de. Tu vois, faut y aller un coup, faut se lancer et se vider la tête, quoi. Bon, allez,
encourage-moi dans les commentaires là. Et puis je vais essayer de la passer là. Je vais essayer d'aller plus vite et on va voir ce que ça donne. Putain, je me chie dessus. Oh yes! Wouh! Putain! Oh, je vais me péter la gueule à la fin. Allez, on s'en fout. Oui! Oh putain, c'est bon ça, c'est bon! Mon frère m'a rejoint, il m'a apporté de l'eau parce que tu vois, je suis parti sans eau. Et puis il a pu me faire 2-3 petits ralentis, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas ce que ça donne en temps de vidéo, mais écoute, si c'est un peu court, je reviendrai le lendemain et on reprendra aussitôt. Donc bah écoute, je te dis à demain, soit pour un nouveau lieu ou pour une nouvelle bosse. Donc pour toi, ça sera à tout de suite. C'est parti. Bon les amis, on se retrouve pour une session d'entraînement. Donc là, la différence des deux autres, c'est qu'il y a Romain qui est là. Donc il va se mettre... Bon, t'as jamais fait de grosses bosses comme ça. On a toujours fait plus ou moins d'off-road. Tasmanie, merde, du coup... Tasmanie Je ne connais que le skatepark bétonné. Là, je suis dans mon vrai milieu naturel, mais je l'apprivoise, voilà. Donc, il va s'initier à ça. Aujourd'hui, c'est la journée à Romain, et puis on va voir ce qu'il sait faire. Let's go. Bon, tu t'inquiètes pas, au niveau montage, ça va être vraiment vite fait. Hein. Bon, comme je te dis, je me prends pas la tête. Et voilà. Il va passer ça. Le but, ça va être de passer là et d'arriver sur la réception juste ici. Donc c'est une première pour Romain. Donc pas te mentir que il y a de l'adrénaline quand même. Donc tu vas quand tu veux, Romain. Et puis c'est parti quoi. Tu vois? Bon, là on va enchaîner sur celle-ci. Le kicker qui est là, alors moi je l'ai passé une fois et ratterrir de l'autre côté. Je sais pas si tu vois comme ça, tu vois ça et atterrir là. Pour moi il se lance pour la première et puis on va voir si ça passe. Puis après c'est à mon tour, c'est moi qui le fais. Fais gaffe en l'air, t'as vu, elle a bipé. Hein. Ouais, ouais, ouais. Tu meurs, c'était écrit, si tu lis, c'était écrit. Oh, boum! Ouais! Ouais, là, moi, je suis même la deuxième. Tu pousses un peu, tu vois.
Je l'ai entendu. Ah. Wow. Oh. C'était sûr. Voilà le giron, c'est l'ai ça. Entendu. Ah. Oh, ouais, nickel. Tu ouais, l'as nickel. Oh oui, bien sûr. Ah. Salut filou. Yeah. Ouais, voilà, tu vois. Allez, Romain, il fait la première bosse. Enfin, premier kick comme ça. Il l'a jamais passé. J'ai fait une chute avant, donc là, il stresse. Le stress monte. Romain ! En douceur ! Mais tout c'est sur la fesse droite. Donc, du coup, il y a une glissade. C'est en mode, mais. Bon, allez, nouveau tricks. Ça me fait bizarre, on va prendre. Ah ouais, t'as vu ça. En plus, comme le boss, t'es enfermé. Hein. Faire ce ouais, kick ouais, là. T'es vraiment enfermé. Hein. Je vois réatterrir et refaire le deuxième kick là. Ouais. Donc. Putain. Romain va filmer avec cette caméra et moi je t'embarque en vidéo embarquée sur la poitrine. Let's go. Putain, en vidéo. Quand on filme pas, ça passe, et là, ça va plus passer, quoi. Punaise. Allez, on recommence. Tu vois qu'en fait, il arrive. Ouais. Vas-y. Ah, yes. Voilà. Oui, ben voilà les amis, fin d'entraînement, fin du training. Bon voilà, j'espère que ce genre de vidéo te plaît, le fait que je te partage un petit peu bah, mon entraînement à bien savoir sauter. Puis moi je prends de plus en plus de plaisir à faire ça, et mon frère c'est pareil. Le petit côté adrénaline, même les chutes, hein, une chute c'est pas forcément un échec, justement ça nous apprend à mieux sauter. Et voilà, par contre, disclaimer, attention à vous, protégez-vous un maximum si vous le pouvez. Et puis, bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Wartitom. Ciao.